pays des jouets. La grande fête des dominos. Tout va bien, monsieur Jumbo? Oui, il y en a de toutes les couleurs. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Oh, on va les trier après. C'est vrai, mais alors il faudra encore les déplacer. J'adore la fête des dominos. Moi aussi, monsieur le gendarme. C'est dommage que ça n'arrive qu'une seule fois par an. Il faut dire que tout se passe tellement vite. Nous passons toute la journée à disposer les dominos. Et ils sont tous renversés en un instant. Kawi prépare une fête, elle est géniale. Je me demande ce qu'il a prévu cette fois. Bonjour Mirou, bonjour monsieur le gendarme. Vous êtes prêts? Oui, tout à fait prêts, oui. Et moi également. J'ai même apporté un pique-nique pour le cas où nous aurions faim. J'ai l'impression qu'on en aura bien besoin. Pour le jeu de cette année, j'ai prévu encore plus de dominos. Oh, wow. Allez, au travail. On aura terminé plus tôt que prévu. Bonjour les quillons. Bonjour Zim, tu joues avec nous? Les enfants, vous ne devriez peut-être pas jouer à vous faire tomber juste à côté des dominos de Oui Oui. Pourquoi ces dominos Oui Oui? Est-ce que tu vas jouer à les faire tomber par terre comme nous? Exactement. D'abord, on les met debout en ligne. Ensuite, on fait tomber tout doucement le premier domino. Et alors, ils tombent tous les uns après les autres, tout au long de leur ligne. Encore! On veut faire tomber les dominos tout de suite, oui, oui. Il faut attendre un tout petit peu, mes chéris. Oui, oui, encore bien des choses à faire avant de commencer. Alors, de m'aider un peu? Moi. Il faudrait livrer ces dominos à monsieur le gendarme. Vous pouvez vous en occuper? Sans problème, oui, oui. Et voilà le dernier, monsieur le gendarme. Vous m'avez beaucoup aidé, cher petit quillon. Oui, mais maintenant, on voudrait voir tomber les dominos tout de suite. Je sais très bien que c'est difficile d'attendre quand on veut s'amuser, mais là, ça ne sera plus très long. Bon, d'accord, monsieur le gendarme. Ça y est, c'est pour maintenant? Attendez encore un peu. Oh! Et là, ça y est, c'est maintenant? Oh, madame, il faut encore un peu de patience, les quillons. Vous devriez aller jouer. Hein, quand on s'amuse, le temps passe beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Alors, où j'en étais, moi? Je crois que tout est prêt, oui, oui. On va pouvoir commencer bien à l'heure. Oh, qu'est-il arrivé ici? Il y a plusieurs dominos qui manquent. Regardez! Chut! Toc, toc, toc! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non! Il n'y a personne ici! Surprise! C'est nous! Alors ça, c'était une surprise! Et là, c'est ma
pas encore. Il manque des dominos qui ont été enlevés au milieu du jeu. Oups. Qui aurait envie de venir m'aider à les remettre en place? C'est parfait. Ils sont tous bien alignés. Alors là, c'est maintenant? Ouais, on va les faire tomber. Oui, bravo! Pas tout de suite. Oh! On pourrait reconstruire notre petite cabane. Ou alors on pourrait s'installer pour le pique-nique de Mirou. Oui, le pique-nique. Maintenant que la grande fête des dominos commence. Oui, bravo. Oh, un bon petit gâteau. J'aimerais bien en goûter un peu. Oh, d'accord, mais moi d'abord. Non, moi d'abord. Mangez tranquillement, les enfants. Jamais le temps de les remettre tous en place. C'est nous qui avons fait tout ça. Pas d'inquiétude, petit Quillon. Si tout le monde s'y met un peu, on va ranger ça très vite. Zim, attends un peu, reviens. Voilà. Et là, c'est pour maintenant? Mais oui, c'est bon. C'est quand nous le voulons. Vous nous avez beaucoup aidé aujourd'hui. Je vais donc vous accorder un petit privilège. Mais où donc sont ces coquins de Quillon? Ils vont manquer le début de la fête. Oh, pas d'inquiétude, Madame la Quille. Ils ne peuvent rien manquer. Bon, alors, comment ça marche? Ah, oui, oui. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la fête annuelle des dominos est ouverte. Oui, le signal va être donné par notre cher... Ça y est, c'est parti. Merveilleux. Mes petits Quillons font partie du jeu. Oh, un arc-en-ciel. Oh!
Oh, c'était vraiment merveilleux, oui, oui. Vraiment merveilleux. Qu'est-ce que vous en dites, les quillons? Le plus difficile, ça a été d'attendre si longtemps. On voudrait recommencer. Maintenant, il faudra attendre l'année prochaine. Oh. Ça y est, c'est là l'année prochaine. Pour défiler, oui, oui. Alors, en avant pour la grande parade. À gauche, gauche. Les jeunes recrues sont les bienvenus, petit quillon. On veut défiler avec les grenadiers? C'est moi qui m'en suis mis en marche. Je pense que ça veut dire oui, capitaine. Très bien, soldats, garde. Très bien. Ah, je n'ai encore jamais participé à une grande parade, Wiwi. C'est formidable, Wiz. Toute la ville est réunie pour défiler. Défiler où, Wiwi? Autour de la place de l'hôtel de ville. Et puis après? Dans l'autre sens, autour de la place de l'hôtel de ville. Wiz, si c'est amusant de faire le tour de la grande place, ce ne serait pas encore plus amusant de faire le tour de tout Miniville? Ça, c'est une bonne idée, Wiz. Mais ce ne serait pas très facile à organiser. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, sournois. Incontestablement, il y a une horrible fête qui se prépare ici. Regarde. Ouais, ça va être une super ambiance. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire, Finot? Nous allons la gâcher, évidemment. Suis le rigolomètre comme ton maître. Suivre comme mon maître le rigolomètre. Ah ouais. Oh, oh pardon. C'est parce que je le regardais à l'envers. Si la parade doit défiler dans toute la ville, il faut peut-être faire un plan pour nous guider. Oui. Tu as raison. Je me débrouille bien pour tracer les cartes. Très bien, Wiz. Je te confie cette mission. On dirait qu'ils sont en train de préparer cet horrible événement où tout le monde marche ou même pas en jouant la même musique. Ça doit faire une belle ambiance. Fatalement. Et quand on est un lutin, quelle est la règle numéro un? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Tu as une bonne vue de toute la ville, Wiz? Excellente, oui, oui. Et à ton avis, quelle rue devrions-nous parcourir? Wiz, à peu près toutes. Partons de la place de l'hôtel de ville. Quand je dessine, je fais toujours attention, oui, oui. Alors le voilà. C'est le plan qu'a dessiné Wiz pour définir le parcours de la parade. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Mirou? Donc, on va partir d'ici et puis on tourne à droite et à gauche. Non, Mirou, on part de cet endroit et nous nous dirigeons dans cette direction. Là, on tourne à droite, à gauche et à gauche. À droite, à gauche, à gauche. Avançons. Non, faut tourner. On risque surtout de se bousculer si on démarre comme ça. Allez, en même temps. Oui. Et je m'arrêtais pas là. Faut s'organiser. Pas d'inquiétude, j'ai trouvé un plan à la oui-oui pour nous rendre les choses beaucoup plus faciles. En suivant ces flèches, on sera toujours dans la bonne direction. C'est une idée très astucieuse, oui-oui.
Oui. Alors que la grande parade commence. Regarde ça, sournois. Une de ces flèches idiotes. Ouais. Pour montrer la bonne direction à prendre. Oh, c'est vraiment idiot. Il est grand temps d'imaginer un vilain petit tour pour gâcher cette belle ambiance. Oh, je l'ai tourné dans la mauvaise direction. Mais bien sûr, nous allons tourner toutes les flèches dans la mauvaise direction et les participants de cette horrible parade seront complètement égarés. Génial. Tu as bien travaillé, Whiz. De toutes les parades que l'on ait vues à Miniville, ce sera la plus belle. Merci, oui. Mes circuits en sont très... Whiz. Heureux. Tu ne vas pas danser sur cette épouvantable musique de fête. Bien sûr que non. J'ai un petit caillou dans la chaussure. Un petit caillou dans le crâne, tu ferais mieux de dire. Allons-y maintenant. Nous avons une ambiance de grande parade à gâcher. Oh, je ne les vois plus. On a trop traîné. Où êtes-vous, les amis? Maintenant, sur une jambe. Ne tardons pas, sournois. On a une ambiance à gâcher, des flèches à retourner et beaucoup d'autres vilains tours à jouer. On a perdu la parade. Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à suivre les flèches. Et maintenant, des petits sauts de lapin. Ça me chavire, ça chatouille. C'est renversant. Mais je me demande où est passé Oui. Nioup. Attendez un peu. Où sont-ils tous passés? La grande parade n'est plus derrière nous. Mais que se passe-t-il? Pourtant, c'était facile avec les flèches. Venez, il faut savoir ce qui s'est passé. Hé, vous êtes là? Les soldats! Les quillons! Ah oui, nous avons perdu tous nos amis. Alors, sournois, on dirait bien que notre vilain tour a fonctionné. Pas d'inquiétude, Whiz. J'ai un plan à la oui-oui pour faire revenir tout le monde. Tu vois, Whiz, nous allons écrire un message dans le ciel. C'est une excellente idée, oui-oui. Tu as un stylo géant pour ça? J'ai même pas besoin d'un stylo. Je n'ai qu'à faire ça. Oh, oui-oui, dessine quelque chose dans le ciel. Est-ce que c'est une saucisse? Non, c'est un éclair au chocolat. Il est presque aussi joli que l'un des miens. Mais qu'est-ce que... C'est une flèche! C'est une flèche! C'est une flèche! Excellent! Rallions les positions de Oui-Oui et de Whiz. Allez, dirigeons-nous dans cette direction. Oui-Oui, je crois que tu as réussi. Tout le monde se dirige vers l'endroit que tu as montré. Malheur, oui, encore gagné. Oh non, ils arrivent de partout. Ce n'est pas bon pour nous.
cette parade a du succès, Wiz. Même les lutins veulent y participer. Et chacun est le bienvenu. Attention tout le monde, on rebondit comme un ressort. J'espère que tu détestes ces horribles parades autant que moi, sournois. Oh, bien sûr, Finou, bien sûr. Hey,